toutes ces choses qui déjà incitaient à partir. Mais c'était un voyage encore qui était un voyage aussi, comme un voyage de l'âme et des sens. Un voyage intérieur au départ. Oui, mais aussi des sens, oui. On va chercher l'aventure, on va chercher à découvrir, on va chercher un ailleurs, parce que à 21 ans, on se dit que peut-être tout est possible. Finalement, ce qu'on va chercher, c'est aller chercher quelque chose, aller découvrir un nouveau territoire, aller vers quelque chose plus que fuir quelque chose. Ça s'appelle fuir, alors qu'on veut juste échapper à une certaine un chemin étouffé. Très jeune, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose à trouver, quelque chose d'important qui serait autre chose. Bon, je ne sais pas ce que mystique. Hein. Découvrir, sortir de soi. Parce que les gens disent connais-toi toi-même, je dis non, il faut connaître le monde, c'est le monde qui nous apprendra qui on est. C'est se confronter, il faut se confronter en direct, il faut le sentir, il faut se donner, et il faut le... C'est comme l'amour en fait. Quant à Catherine, la première fois que je vous ai vue, je me suis demandé comment vous pouviez être frêle, fragile, et avoir vécu ce que vous avez vécu. Et on n'a pas parlé beaucoup du grand blanc, du cœur blanc, pardon. Et le souvenir que j'en ai, moi, c'est la découverte des saisonniers, de la vie des saisonniers que je n'imaginais pas vraiment, en fait. Il vous a fallu 2 ans pour faire ce film. J'ai trouvé super que, déjà, bon, y a beaucoup de choses qui ont été dites à montrer la solidarité, l'humour, le lien qui est dans la construction entre elles, mais surtout que au niveau de la réalisation, on a vraiment l'impression que la franchise, l'authenticité, la liberté de parole a été permise. L'autre aspect qui a fait que tout de suite on s'est dit il y a quelque chose à faire ici, c'est que c'est le côté théâtral. Quand je pense à relire le monde, moi, ça m'amène à me souvenir de tous ces moments où je me suis rendu compte que ce que j'avais appris dans les manuels scolaires était d'ordre politique. La redésinintelligibilisation de mentabilité, l'hyper-redésinintelligibilisation de mentabilité n'existe pas. Tout le monde dans la place fait yeah, yeah, yeah. Suprême NTM, 1998. Je suis une moitié. Nous sommes tous des moitiés. Et au tournant des années 60, il n'y a que nous. Moi et les autres, tout frisés. Il n'y avait que nous pour descendre dans le noir. Et pas parce que nous sommes, et nous étions des hommes courageux, forts, téméraires et sérieux, et que la France a grand besoin de nous. Le roman, moi je le comparerais peut-être plus à un album. Donc c'est le projet pour moi qui est un peu semblable d'une certaine manière. Parce qu'il y a autant de chansons qui sont autant de chapitres. Mohamed a fait preuve, et ce même culot qui habite tous les enfants d'immigrés qui s'en sont sortis, en gros. Voilà, c'est ce que je dis souvent, si on avait attendu... Il s'agit d'inclure tout le monde, tous les quartiers populaires, dans les combats pour l'écologie. D'être ici, entre gens qui ont cette ambition folle, ce rêve... Cette folie, cette utopie d'être des rallumeuses et des rallumeurs d'étoiles.